Nous avons validé le repos. Oui, ça on sait bien le faire, le repos en général. En général, le repos ça embrille là-dedans. C'est clair. Bon, écoutez les amis, maintenant j'en ai marre. Clic. Clic. Ah, mon jeu a planté. Non, c'est bon. Clic. 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 Putain, merde ta gueule. Bon courage. Alors, pour régler ça, mon vieux. Salut, Gustavo. Mon qui va être fouillé. Je suis même pas encore arrivé. fouillé. Gros, pourquoi il y a Dra Noël dans la prison? J'en ai modifié un seul, juste Drano. Gros, ça c'est des portiques anti... Ouais, il y avait ça dans le 1. Pourquoi je crois qu'on te recherche. Ouais, mais que j'ai fait. Ça commence dès le début. Ouch. Oh, y'a un sniper. Ah, c'est bon à noter. Ah, ça va être chaud alors. Ah, c'est Dra Noël, mon voisin de chambre. Ah merde, ah mon pauvre. Moi, je le sens pas ce coup-là. Ça va mal tourner, cette histoire. Dra Noël, t'as une quête pour moi? Eh, t'en as pour moi? T'as de la bonne. Dra Noël qui va nous demander si je pouvais aller boucher des chiottes. C'est legit. C'est ton occupation favorite dans le jogging. Donc après tout, pourquoi pas. De toute façon, déjà, on va voir, faut réfléchir à comment on va s'évader, comment les pédophiles vont se réévader. Ils nous auront pas cette fois. Les petites filles sont toutes. Est-ce que ça va être. Pour la gloire des petites filles, vas-y. Pour la gloire des lolis. C'est tellement ça. Est-ce que. Putain, j'en reviens pas de dire. Les deux gars sur un cheval en armure, tu sais. Pour les lolis. De toute façon, ça va pas tarder. J'ai force et vitesse à fond, maintenant je suis en train de devenir intelligent. Ça prend beaucoup plus de temps avec moi. Ouais, j'ai bientôt. J'ai bientôt la force en vrai. Oh merde, un appel. Est-ce que je pourrais finir avant le retour en prison? Tu es encore en prison, Brandon. Tu l'as jamais vraiment quitté, Brandon. Je te déteste. En prison, c'est elle qui te quitte. Ah, mais vers 5h du mat. Waouh, j'avoue. Je suis retourné dans l'autre prison, gros. Hein. Le rythme de prison, c'est pas une école de commerce, hein. Oh, je ne te permets pas. Moi, est-ce que tu vas finir ton pudding? En échange, je te file un œuf à la coque. Oh je là sais là. Que t'adores les œufs. Ah ouais, tu sais clairement comment me séduire, ça c'est sûr. Pour la peine, je retourne lire des livres. Enfin n'importe quoi là, alors que je pourrais devenir intelligent. En train de me radicaliser sur Internet. Inch'Allah. Faut que je repère à quoi il ressemble Drano. C'est pas un noir. Je crois que si en plus. C'est pas celui de la table tout en bas. Si attends, je vais lui offrir une cuillère. Il est content. En fait, je vais lui offrir plein de cuillères et il sera vraiment content en permanence. C'est vraiment ce que je suis en train de faire en plus. Moi, je suis en cours derrière mon pote de cellule pour lui offrir un fruit. Tu sais, j'ai l'impression de draguer dans Stardew Valley, tu sais, quand je donne des champignons que j'ai trouvés par terre. C'est quand t'arrives et que tu distribues comment ça s'appelle, genre des... Mais j'arrive pas à leur parler. Drano, tu sais, son avis sur moi, c'est même plus qu'il est vert, c'est qu'il est radioactif, tellement je lui ai offert de petites cuillères en plastique. C'est ouf. J'ai une lime, ça peut servir en vrai, t'en veux une? Je sais pas quoi en faire. T'as pas un truc caché? Il est plein, mon truc caché. Vas-y, j'arrive. Attends, oui, c'est que je peux pas mettre en toi. Je peux mettre en toi. Tout à fait. Oh oui. Mets-le moi dans mon compartiment caché, s'il te plaît. Miro. Gustavo sans emploi, histoire de ma vie. Oh. Eh. Quoi? Je crois qu'il y a un niveau en dessous, encore. C'est vrai? Il y a un sous-sol qui a pas été... Je crois qu'il y a une mine en dessous.
Ah, donc on peut s'évader par en dessous. Le bureau de Drano. Le bureau de Drano va être fouillé. Encore? Il a... On s'acharne sur lui, le pauvre. Je crois qu'il a rien. C'est comme dans la vie. Noël, c'est la vie de Drano, quoi. Je dis, ouais. Mais pourquoi il me tabasse? Drano, je t'aime, Drano, me tabasse pas. Oh merde, il me fait mal en plus, ce con. Mais il est en train de me tabasser, ce con. Et le garde qui s'en bat les couilles. Le garde, il s'en est... Il est venu pour fouiller le coffre, il est pas payé pour autre chose. Est-ce qu'ils ont mis des couverts en plastique? Oh, ils ont mis des couverts en plastique pour en offrir à Drano. Vraiment le pire. Je te le dis, t'es vraiment le pire. Il va commencer une collection de couverts en plastique. Et puis après, faut qu'on aille visiter absolument ce qu'on était censé visiter la mine, et du coup, je suis en train de boucher des chiottes, moi. Attends, ça m'étonne pas de toi, en fait. Une porte à ouvrir, comme ça. Oh gros. Quoi? T'as jamais quoi, pouvoir sortir, mais là-dedans, il y a une pioche. Ok. On regarde juste un peu ce qu'il y a. Une pioche. Merde. Est-ce qu'on est d'accord que par là, c'est la sortie qui nous attend? Je peux pas, si je fais ça, je vais péter. Tu veux que je prenne Arlène? Attends, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir s'évader tout de suite, genre? Putain, le truc de ouf, ce serait. Mec, je crois qu'on va pouvoir s'évader. Ce serait ouf. Ce serait... C'est ouf. C'est ouf. C'est tout. On est allé en mode full impro. C'est passé tellement bien. Ah d'accord, c'était vraiment très facile en passant par là. Non mais ça va là. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Attends. Non, je peux pas t'inviter. C'est une prison solo. Ah mais non, mais attends, je suis con. Faut que je fasse quitter, attends. J'ai mis une partie locale. C'est pour ça. La palme de l'intelligence. Excuse me, princess. Le pire. Attends, mais les musiques. Attends, c'est sympa qu'ils aient mis des musiques différentes à chaque... À chaque. Point à la ligne. À chaque. Donc attends, je note 9h, petit-déj. On va être technique. Que tu fais ton planning de vacances. 9h, petit-déjeuner avec les enfants. J'aime bien t'imaginer faire du cheval d'arçon en vrai. Écoute, c'est un truc que j'étais très fort à ça quand j'étais petit. C'est vrai. J'étais de la gym à l'école primaire, genre c'était le truc que je prenais toujours pour être évalué parce que j'étais super fort à ça. Ah, c'est fou ce qu'on apprend sur toi aujourd'hui. C'est un peu. C'est inintéressant au possible, mais voilà. C'est ça. C'est, c'est ça. C'est inintéressant au possible. Putain, mais ça va trop vite en vrai le cheval d'arçon. À t'épuiser. Oui. En même temps, cavaler toute la journée. Non mais je veux pas. Non mais je veux un plateau, monsieur. Voilà. Maintenant, tu veux un plateau repas plutôt? Non, parce que juste le plateau, c'est pas super pour la santé. Ta gueule. Putain, mais quel enfant terrible. L'enfant, tu comprends pourquoi il a été en prison et qu'il a fini pédophile en fait? Il a été rejeté. Même le facteur super nanny. Super nanny ne peut plus rien faire. Super nanny, la prison vietnamienne est là pour toi. Super Nanny, elle est venue, elle a fait « Oh là là, c'est la décadence !» Et elle est repartie. « Oh là là, c'est la décadence !» Je veux dire, te planter dans les douches, là, avec mon déplantoir. Mon déplantoir. Mais un déplantoir, c'est fait pour déplanter. C'est pas fait pour planter. J'ai déplanté ta rate. J'ai volé un rouleau scotch. Ah, bien vaut. Bien vaut, tout à fait. Bien vaut. Donc, levé 8h. Ok, ça va aller vite. Alors, 8h, appel. Petit dé... C'est ce qui est là, c'est réellement les... De quoi? T'as vu comment il a tous niqué, ils ont pas eu le temps de revenir, ils sont déjà repartis. C'est terrible. C'est terrible ce harcèlement de rue, madame. Putain, je te balance tellement l'emploi du temps comme si on était au collège. T'as pris ton bouquin de maths? Non. Ah non, viens, on fait un pour deux, frère. Viens, on fait c'était, la strat, deux. C'était la strat et le voisin, il oublie tout le temps. Non, celui qui proposait la semaine sur deux, il le prenait jamais. C'était ça le truc. Oui, c'est clair. Et en fait, il savait très bien que celui à qui il disait ça, il se mettait avec un mec qui justement stressait et donc l'apprenait tout le temps. Moi, je l'avais tout le temps, mon putain de bouquin. Eh, moi aussi, mais ça qui faisait toujours plus de 10 kilos en vrai. J'avais trop mal au dos au collège. Je suis à 70 intelligence, c'est le maximum que je peux avoir pour un humain normal. Ah, je commençais aussi comme Pilon. Ah,
Fais choper toi. Ah oui, je me suis chopé en train de fouiller, mais j'ai pas fait exprès, monsieur, je me pardonne. Bon, ça va, j'ai justice est rendue. Justice est rendue par décision de moi-même. Putain, mais c'est musique. Un cookie, on s'en tape. Non, mais arrête d'aller dans le lit, arrête de faire n'importe quoi, merci. Ah, mais j'ai une corde, c'est illégal ça. Ah, bah tu peux te pendre du coup. Merci, on va s'échapper, pas notre moyen. Putain, c'est terrible ce que tu viens de dire. La tragédie. Putain, mais je trouve rien là. Personne se lave les dents dans une prison ou. Attends. La réalisation. Maintenant que tu le dis. J'ai pas vu, je suis en sous-sol. Hein. C'est pas grave, j'ai fait un zouk à une barrière électrisée et j'ai pas compris. Eh bah, t'as pas compris. Faudrait que j'essaye de tabasser des gardiens, mais il m'a tellement mis Lasermi. 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 Je suis ouais dans ta tessie. Ouais. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. C'est un peu sur 2005. C'est ouais, très très sur 2005. Mais tu sais, j'ai pas beaucoup vieilli, moi, en vrai. Je suis le même que tu as toujours aimé. T'es resté jeune dans ta tête. Ouais, je suis très jeune dans ma tête. D'ailleurs, en parlant de jeune, t'as écouté le dernier tube de Crazy Frog. Le pire, quoi. Comment on fait un mug cake? Alors, un mug cake, il faut un œuf par mug. Un œuf, 80 grammes de farine. Non, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. T'as vraiment eu trop de temps à comprendre, quoi. Ta grosse gueule enfarinée. Je t'exècre. Je sais bien, mon gars, je sais bien. Putain. Je suis juste en train de chercher du putain de sucre. Non, mais comment on fait? On peut pas faire un truc au chocolat dans une tasse? Arrête, faudra du chocolat en poudre. Ne t'énerve pas, il en vaut pas la peine. Il le fait exprès. Il le fait exprès pour te déstabiliser, ne l'écoute pas. Du scotch. Du scotch. Avec sa voix d'ado préféré. Du scotch. Du scotch. Ouais, je sais pas ce qu'il y a merde dans ma voix là, mais... Du scotch pour Wham. Oh, on a un nouveau chien avec nous. Est-ce qu'on l'appelle... Est-ce qu'on lui donnerait pas un petit nom? Il s'appelle Daisy. Oh. Ok. Je sais pas où je suis en fait. Mais t'es pas loin sur la carte. Regarde là, prends 2 secondes pour la regarder, mais t'es pas loin. Bah, je suis dehors en fait, mais je pense, non? Faut juste creuser au-dessus. Bah attends, du coup j'arrive, non? Non. T'es un dingue. T'es un dingue. Non. Pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. C'est un truc de fou. On est vraiment des taupes, hein, par contre. Hein. On s'évade jamais autrement qu'en creusant. Tant que ça marche, on le fait. Le jour où on va arriver dans une prison, il y aura du béton. Ce sera la chose. En fait, on va rester comme ça, c'est là pour la somme de jour. C'est pas mal, non? Patate, on ne peut pas creuser. Dieu ait pitié. J'espère que c'était convaincant. Un coup de rouge. Et raté l'Éden, je suis né en même temps que le sida.